qui te dire? Moi, j'espérais être correct. Si non, attends. Je dois dire que Christophe n'a pas respecté le thème du jour. C'était évident. Faut qu'on allait s'habiller en rouge parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Je suis la seule à être venue avec ma robe rouge et mon masque rouge. Pourquoi tu t'es mis en vert? Gentil, non. Ça représente his love life, je crois. Comme si c'est là, choisi le vert Gaumont. Gentil et tout. Nous faisons dans le bagatelle, une petite base bien, bien spéciale. On va vous faire découvrir deux, trois endroits. Allez, suivez-nous, nous, allez! On fait commencer Zodi dans un super magasin fashion, tendance, à petit prix surtout. Il s'agit de Kiabi. Tu as déjà visité Kiabi, toi, ou c'est ta première fois, vu qu'ils ont fait couvert? Non, jamais mon visité, parce que moi, j'ai mon extrêmement rasténie qui reste la case. Jamais. Et ben, je vais découvrir en même temps que vous. Tu vas être hyper impressionné. C'est hyper grand, hyper bien aménagé, etc. Je suis venue une fois et j'ai hâte. Je sais pas, d'essayer un peu les vêtements aujourd'hui. Paris de Commandienne a marré beaucoup de choix. Allez, ce qu'on va faire. Chacun voit ce côté. Chacun a son côté. Il essaie toujours de se débarrasser de moi en fait maintenant. C'est genre, allez toi de ton côté et puis moi l'ici, non? Donc le mannequin qui vit en moi et en toi, nous pouvons aller aujourd'hui. Allons faire un petit catwalk. Allez, un catwalk. Allez, on non, essaie allez. Les vêtements. Regarde ça! Non, Estelle, tu ne veux pas d'enfant encore assez. Alors, tu as trouvé ton bonheur? Écoute, j'ai trouvé trois tenues différentes et ça a été difficile parce qu'il y en a tellement de choix qu'ils m'ont pas fait que l'équipe m'ont conseillé, mais j'ai choisi trois. On a la différence entre Estelle et moi. Estelle remplie de couleurs, moi c'est darkness, c'est darkness, darkness. Toi, tu as eu ou pas? Ouais, on va essayer qu'ils ont allez, fait. Oui, allez, oui, allez. Je crois que Christophe a gagné ce... C'était pas un concours, mais comme d'habitude, on est en compétition. Vous pensez que Christophe, il gagne, comment dire, sa catwalk, défilé, etc. Parce qu'il était hyper stylé. C'est pas ça. Tony, il vit naturellement. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est inné chez toi. Ouais, soit ton nez, oh, ça, ou bien... Ça te pénalise. Ouais, ça t'aide une peine, hein. Bref, tout ça pour dire qu'on a adoré notre petite session essayage. D'ailleurs, on choisit ça aujourd'hui pour ramener à la maison.
Et pendant que tu peux essayer, on a trouvé un truc qui est marrant, top. Ouais, c'est un truc vraiment extra que j'ai, moi, personnellement, jamais vu ailleurs. Ils font du 6XL. 6XL. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, il y a une section spécifique grande taille. Donc moi, je trouve ça génial de donner autant de choix, en fait. Et vraiment, c'est top. C'est marrant, top. Au moins, je connais celle-là, Côte-Saint-Zobizel-Véné. C'est ici, chez Kirby. Tu as emmené ton porte-monnaie? J'ai emmené mon porte-monnaie, celle-là ne vient pas. Bon, moi j'ai piqué un ballon, Christophe nous a emmené une voleuse. On m'a donné, ok? Liane voleuse. Et toutes ces activités, ils nous fait un bon appétit, Estelle. Aïe, j'ai faim. Ben justement, moi maintenant, une jolie base. Allez-nous, allez. Au fait, j'ai dit à Estelle qui me permet de dans une petite base. J'ai juste entendu parler, mais mon panne. Vini ici, au fait. En fait, Christophe ne savait même pas qu'il y avait cette nouvelle allée ici. Et nous arrivons devant Fonti tout le monde qu'elle suit. Je connais qui base, te pédie, là, je suis sûre. Et moi, je vais toi, Stella. Mais enfin, il est temps que de Bali Cravings, by Lexia. Alors, moi, je gagne la chance à Bali une fois dans ma vie. Et je peux vous dire qu'ici, ça représente vraiment l'esprit de Bali. Il y a des balançoires partout. C'est très Instagrammable. Hein? Donc, si vous avez envie de faire une jolie photo, c'est the place to be. Et on a choisi le bon jour. On est venu le jour de la Saint-Valentin. C'est hyper bien décoré et tout. Très girly, très fashion. Et voilà, c'est l'endroit idéal pour manger à Bagatelle. Ah oui! Pourquoi c'est toi qui choisis ça? Parce que c'est joli et il y a des pétales de rose dedans. A tiger bloom. Right. Ah, je suis sûre que le tien aussi doit être pas mal. Hein. Wow! Bali Peps. Bali Peps? Oui, et ça c'est un Dragon Splash. Dragon Splash. Wow! Ah. What? Merci. Merci. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Mais c'est quoi ces drinks-là qui sont hyper beaux? Vous autres, il y a des pétales de rose dans mon drink. Et c'est juste magnifique. Des pétales pour une fleur. Oh. Au fait, on va vous raconter un petit peu c'est quoi le background d'ici. Quand ça commence et comment on arrive ici, cette histoire marite. Mais vous êtes que demander de mieux. Un joli tea drink, Marie bon, loin de ce balançoire. Marie top. En fait, ce que j'adore ici, tu as fait photo partout. C'est Marie Instagrammable et vrai même, comment dire, on se dit bon, tout est assez impressionnant visuellement. Et je peux faire photo côte de Tanguy ici. Ça représente un petit peu l'esprit de voyage que Lexia, qui est la proprio justement, Bad Cravings by Lexia, a voulu mettre en avant à travers ses plats, à travers la décoration, etc. Et juste pour vous raconter un petit peu le background, je ne sais pas si tu connais Lexia. Non. Alors Lexia justement a commencé à faire des gâteaux chez ses parents, dans une pièce chez elle. Ouais. Et depuis, elle s'est perfectionnée, elle a fait plein de masterclasses et elle est devenue chef en fait. Et elle fait des gâteaux extraordinaires. Elle est également dans l'organisation des mariages, etc. Wow. Et voilà, elle a décidé d'ouvrir son resto. Elle a fait tellement de voyages qu'elle voulait vraiment représenter un petit peu tout ça à travers ses plats, à travers tout ce qu'il y a. Donc, elle est jolie petite parcours depuis travail avec maman et papa dans les Nassam jusqu'à gagner un super restaurant à Bagatelle ici à Fruity to Market Street. Et vraiment, c'est un super parcours fulgurant. Et on lui fait un gros bisou et merci de nous accueillir aujourd'hui. Hard work always pays off. Always. Cheers!
Oh, wow! C'est notre chili oil dumplings. Ok. Mais c'est marré beaucoup. Chicken dumplings. Chicken dumplings. Oh, wow! Tout ça vous hôte? Votre pack dumplings. Wow! Merci! C'est l'entrée, ça, hein? On dirait un fortune cookie, la façon que c'est plié. Oh, oh wow. Celui-là, je ne sais pas trop comment l'attraper. L'attraper exactly. Comme ça. Wow. So good. Vous êtes ce dumpling là. C'est super bon. Marie croustillant. Et à l'intérieur, c'est super chaud. Et c'est pas gras, mais pas une once. Very good. Moi, j'ai pris le signature dish et ça paraît trop appétissant vraiment. J'ai pris des raviolis avec mushroom. Et regardez-moi cette présentation. Ouais, la présentation est trop belle. Même le plat de Chalem, en fait, paraît super bon. Oh, wow! C'est un soleil. Monsieur, ça va de passion. Regardez cette salade-là. Ça respire la bonne humeur. Ouais. Je sais pas, quelque chose de positif tu en vois, fait. Des fraises, des agrumes. Burrata au milieu, bien sûr, de la laitue. Wow, c'est vraiment très très beau. Ouais. Et vous êtes bon appétit, allons manger. J'ai fini. J'ai vraiment faim en fait. Moi, je suis déjà en train de manger. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes, je ne peux pas parler pour vous, mais par rapport à ce que moi, je suis en train de manger. Donc, des raviolis avec mushroom, basil, etc. C'est un délice. Vraiment, Boban Papi. Sérieux, bravo. Ouais, Boban Papi, là, Boban Papi. Oui, bravo, Christophe. Ouais, tellement, super méga. Moi, mon plat est top parce que c'est un genre de white sticky rice. Une petite salade à côté avec des poivrons, etc. Et un crispy chicken, mais pimenté. Donc, ceux qui aiment un petit peu les nourritures épicées, etc., qui ont un petit piment, vous allez adorer ce plat-là parce que vraiment, c'est trop bon. Il n'est pas isolé, en fait. Goula Marimon. Superbe. Par rapport à tout le monde commun, je sais pas ce que Chalem a pris. C'est Marie-Paul. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai appris, Chalem? Thai seafood. Mais c'est beau. La sauce. Et Chalem peut hésiter pour manger pas l'autre. Pourtant, j'ai dit Saint-Valentin. Qui met de prendre pour un plat là? Vous connaissez qui met de prendre un plat là? Apparemment, c'est aphrodisiaque. L'orgue d'Adam. Oh, wow. Marie, bon. Oh mon Dieu, j'ai goûté le plat de Maniche d'abord. Super bon. Mais le plat de Christophe. Toujours meilleur choice. Wow. Meilleur choice. C'est super c'est bon l'intérieur, comme si des raviolis. Bon. Et tout est fait in-house en fait. Ah, c'est super bon. Ouais, allez, c'est Ever, tu peux dire tout à l'heure là. Tout ce qu'ils veulent faire ici, everything in-house. Ouais. Alors, l'histoire de Lexia en fait, c'est vraiment une success story. Elle a uniquement 28 ans, les amis. Elle a accompli tellement de choses. Et elle adore les voyages, elle adore manger, etc. Et on retrouve vraiment la fusion de plusieurs endroits. Mm-hmm. Bali, Mexique.
vraiment, vraiment une fusion extraordinaire et c'est tellement, tellement bon. On vous conseille de vraiment venir ici parce que franchement, c'est waouh. Hein. Il m'a dit, je sais, juste vis-à-vis de moi et je dois faire. De trop bon, de trop bon. Sur ma première bouchée, vous êtes, I was like, is it a dream? Oh. Non, vraiment, it's a dream dans la bouche. Super bon. J'ai tellement vu cet endroit-là sur Instagram, en fait, moi. Tellement de photos, j'avais tellement envie de venir et prévu pas féminin à mon mari, happy. Tout ça, l'aime, pépé, vilain. Tout ça, l'aime, pépé, vilain. Au fait, vous êtes Bali Cravings. Vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux. À chaque fois, de nouvelles photos. Et chaque photo que vous guettez, elle plie bon kilote, elle mangeait, paraît plie bon kilote. Mais ça correspond à ce qu'on voit ici, exactement, en fait. Exactement, c'est pas une publicité mensongère. Et certaines personnes ont tendance à voir qui, comment dire, quand je trouve une jolie photo avec une mangée bien élaborée, décoration. Bien décorée. Ouh là là, c'est cher. Quand les gens pensent ouais, ça. Ouais, c'est cher, c'est cher. Loin de là. Loin, ouais. Loin de là. Et au fait, je suis agréablement sûr. Oui, pareil. Idem, franchement, fou. Ne me jugez pas quand vous vous levez et que vous êtes mouvant dans un robot, s'il vous plaît, parce que j'ai trop mangé, c'était trop bon. Je suis en train de causer, parce que je suis en train de dire. J'ai dit, pas dis-moi si mon ventre paraît dans un robot, parce qu'il faut être trop mangé. Et la différence entre paraître et que la vérité. Non, mais c'était trop bon. Et en plus, comme d'habitude, je prends pour emmener à la maison parce qu'on n'a pas pu tout manger et je ne vais pas faire de gaspillage. Tu as bien raison. Donc on prend, on part et. Tu n'amènes tout le gain aujourd'hui. T'es bizarre, mais j'ai. J'aurais dû emmener, je savais ça, prochaine fois. Donc, comme d'hab, voilà, moi, mon petit parking ready, mon petit takeaway, mon dîner de ce soir. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, on a super bien mangé. On voulait dire un gros merci à Bali Cravings by Lexia. C'était trop bon. Si vous voulez venir, les amis, bah, c'est ouvert du lundi au jeudi. Non, lundi à jeudi. Ouais. De 9h30 à 20h30. Le vendredi et le samedi de 9h30 à 22h. Donc, vous pouvez rester jusqu'à un petit peu plus tard. Et le dimanche de 9h30 à 15h. Voilà, un petit gâteau, un petit café, déjeuner, dîner. Whatever you want. Heureusement que Céline rappelle les horaires parce qu'ils ont même tu es capable de rappeler tout ça. Félicitations. Allez, mon ramasse vente à tête, nous continuons les tours. Allez, right, ok. Nous te les tours, puis continuer et Estelle, que te l'amène-moi. Vous pouvez se concentrer, le ramasse vente. Allez, ok. M'amène-toi dans une place. Qui me connaît jamais te pas mettre un pied là-dedans. Qu'est-ce que je suis sûre? Parce que tu fais dans enfants. Ah oui, ok, allez, on est arrivé devant Doodlen, les amis. Il y a un bistrot café qui est juste devant maintenant, mais c'est surtout un kids club, un indoor playground extraordinaire. Mais comme je te dis, tu peux envie de retourner aux enfants quand tu pourras entendre. Là, tu vas voir pourquoi. Il y a plein de costumes, il y a plein d'endroits où tu peux jouer, il y a plein de jouets à acheter et des trucs que tu vois pas partout. En fait, tout le monde peut expliquer, tu vas pas comprendre, bizarre trouver même ça. Allez, right. On y va? Allez, on y va. Il est vrai qu'il me plaît dans les enfants. Mais il y a un mec qui va suivre. Oui, j'ai un neveu et il a 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans. Et tu sais, j'adore acheter des produits que, comment dire, il n'est pas pour fixer un écran. Ah oui, où il va jouer, il va toucher, etc. Quand je vois des trucs comme ça en bois, je trouve que c'est juste Marie méga top. Ici, en fait, il y a tellement de choix que vous lisiez, comment dire, attiré par tout et n'importe quoi. Mais moi, le truc que j'adore ici, c'est de bien chaleur. Regardez ça. Waouh. J'ai envie d'avoir comme si 4 ans encore et c'est mon anniversaire quand je suis là. Et attends, il y a une section garçon aussi, bien sûr. Avec un thème médiéval. Wow. On n'a jamais eu ça avant. Tu sais, avec ton petit bouclier. Ouais. Yo, ton épée et tout.
si c'est plein d'un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est le plus tout bien. Oh. Stéphane. Oh, bon, petit barbecue, s'il te plaît. Marie-Marie-Cure. Avec tous les ingrédients qu'elle dit. Non, ça, ce sont des fruits mentis. Tu te fais un barbecue en banane, toi? C'est pas lui. Gazinière, enfin l'énorme gazinière. Gazinière, même qu'on dit ça. Je sais pas, elle tient la cuisine. Elle tient la cuisine. Oh my god. Mon ça neuf. Te fait rêver, tellement on dirait ton enfant et qui. Pas qu'elle était ma parole d'une toute seule. Franchement, moi, depuis, ça me fait rêver. Depuis que j'ai 18 ans, on vit rêver d'une enfant. Jumping Ghost, comme si. On n'a pas connu ça, nous. Pas tiens, ça, là, lui, l'époque. Non, lui, l'époque, pas tiens. Wow. Encore. Ah, encore. Je suis sûr et certain, si mon neveu voit ça... Le camion? Non, non, le tool bench. Ah, Dieu Seigneur, c'est tool box. Ici tool bench, ici tool box. C'est un petit bricoleur. À fond, à fond, à fond. Même quand il y a des trucs qui ne sont pas cassés, il va le casser justement pour pouvoir le réparer. Enfin, il croit qu'il est en train de le réparer. Il n'est pas en train de réparer du tout, en fait. Mais c'est cocasse, quand tu vois tout. C'est Marie cocasse. Mais est-ce qu'on est plus excité que les enfants? Oui, parce qu'on n'a pas eu ça, nous, dans notre enfance. De l'époque, quand tu es là, c'est goni. Bon, vous avez vu une partie de Doudan, mais c'est surtout le haut qui va t'impressionner, je pense. Ouais. C'est une arrivée, venons aller. Allez, on y va. Allez, allez, on y va. Je peux remorquer Estelle. J'ai pas montré mes chaussettes parce qu'elles sont pas top. Oui, Estelle, ne montre pas. Qui fait nous que nous souiller, Estelle? Ben, ici, c'est un indoor playground, donc pour que ça reste propre, etc., il faut que tout le monde ait des chaussettes. D'ailleurs, ils vendent des chaussettes ici si vous n'en avez pas. Et voilà, pour que l'endroit reste clean. Ben, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ben, fais-nous. Immerse in this place. Ouais. Alors ici, tu as des petits costumes, tu as différents petits endroits hyper, hyper cute, mais il faut vraiment voir, regarde ça. Tu as un petit fire station ici, tu as un petit super moche, et ici, il y a un petit coffee shop, il y a un hôpital, il y a une station de police, un hair and beauty salon, etc. Mais à l'intérieur, c'est... Mais en fait, tu peux vraiment faire ton shopping à l'intérieur. Mais tu as ton petit caddie tout, le petit caddie. Oh God. Regarde ça. Alors, tout est en version mini ici, hein, quand même, si t'es petit caddie, tes petits trucs, t'es l'écran. Attends, tu as ta caisse avec ton petit coup, passe ta cote. Viens, viens, viens. Passe ici, Manu, je passe à côté. Prends tes bonnes ingrédients, s'il te plaît, passez. Allez, allez, right, assez. C'est trop, trop mignon, j'adore. Et je vous jure, là, aujourd'hui, on est venu, il n'y a pas d'enfant là, c'était ici. Mais je vous assure que quand vous venez et que vous voyez des enfants en train de jouer le jeu, mais c'est génial! C'est Marie mignon! On voit pas mon expression, mais get mon finger, même si je suis pas un enfant, je suis plus excitée que les enfants. C'est Marie cute! C'est Marie cute! Et tu as plusieurs petites bases comme ça, justement, le hair and beauty salon, tu as le petit théâtre, etc. Ouais. Où ils peuvent jouer le jeu, ils se déguisent, donc ça, je vois ça hyper, hyper génial. J'adore les jeux interactifs comme ça. Ça fait vraiment développer. L'esprit de ton enfant, l'imagination de ton enfant. Et si votre enfant a sa petit brin musicien là, et s'il a envie de faire un spectacle, aussi il peut se mettre piano lounge, s'il te plaît. C'est Marie la classe. Franchement, c'est Marie top.
Il peut avoir son petit accompagnateur à côté avec lui. Tu sais, les enfants, ils adorent tellement faire comme les grands. Ici, c'est possible, ouais, en fait. Ouais. Tu devais voir ta maman, voilà, voiture au super moche, avec le casque, bah, tu fais pareil. Le petit avion, ça, je vois, ça m'arrête. Mais je pense qu'on est un peu trop grand, Esther, on est pour trop rentrer. Grand. Nice. Il a son linge de pilote et tout, hein, avec la petite casquette. Ah, tu as les costumes qui vont avec. Tu as les costumes qui vont, ben, avec chacun des petits univers. Et ils peuvent se déguiser, se changer, réchanger, remettre, etc. à chaque fois. Et ça, c'est franchement, c'est génial. Hein. Tu te rappelles un peu plus tôt, je parlais de les jeux en bois. Les jeux en bois. Ben justement, c'est la MOC qui est en exclusivité ici. Ouais. Et c'est Melissa and Doug. Et les trucs en bois, tout ça, je trouve ça. Ouais, je trouve ça marrant. C'est ta robe. Regarde. Pourquoi je mets devant moi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Ici, le truc qui est génial, c'est que c'est ouvert en fait du lundi au jeudi de 9h30 à 20h30. Et c'est ouvert le samedi et le vendredi de 9h30 à 22h et également le dimanche jusqu'à 17h. Attention à la tête. Attendez-nous. Où est-ce que vous êtes passé? On est là. Ah, ok. Parcours du combattant. Ah, c'est nice. Ah, ok. When you're on top, tu là, vois vraiment. Ouais, là, tu vois la grandeur. Tu vois vraiment le monde qu'il y a en dessous. Imagine maintenant un enfant et tu l'emmènes là. C'est le best time of his life. Allez, toi, avant, à l'autre. Moi, j'entends en bas. Oui. On va pas voir mon saut à moi, les amis, parce que j'ai une robe, ok? Allez, vas-y. Mais j'ai un jean, je sais pas si ça va glisser. Non, ça glisse pas. Si, ça glisse. Adieu, c'est top. Je fais ça? Oui, ferme. Ça va, ça va. On a, okay, on a rien vu de... De pas bien. Ouais, de pas bien. Ouf. Est-ce que je suis assez souple pour faire ça? Nous crois, comment dire, dans toi. Allez. Allez, Christophe! Comment? Regardez comment Christophe est en train de se chanter. Parce que c'est pas pour les adultes. Allez, Christophe! Je suis beaucoup trop grand pour ça. C'est quoi des nevées secs? Quoi, serpent? Je sais pourquoi pas. Sec? Je sais pas. Dis! Allez, Christophe! Je pense que je suis un petit peu trop vieux. J'ai essoufflé! Essoufflé. On va remettre le masque. Voilà. And off I go again. Oui! Encore? Oui! Et pour ma dire qui parle de ok? Effectivement, moi j'ai un petit trou dans mes chaussettes. Voilà. Mais moi j'ai une technique pour ça. Tu lèves un peu plus et tu mets ça entre tes doigts. Comme ça, ni vu, ni connu. Estelle, tu disais la dernière fois, un peu plus tôt, que quand tu vois les enfants là, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Par exemple, dire avec ici Tineuse, encore de ce côté, il y a encore d'autres petits univers, etc. Regarde là, il y a un petit coin où tu peux faire un nursery pour les enfants. Là, tu les vois avec des petites blouses, en train de donner à manger au bébé, en train de faire dormir, mettre dans le petit bain, comme si ici. Qu'est-ce que tu manges une coca, Suzette? On dirait des mini-adultes. Des mini-adultes. Regarde la cuisine. Fully equipped. Ouais, equipped et fonctionnel, s'il te plaît. Tu vois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, c'est le put and play de 3 à 12 ans. Et là, vraiment, ils sont dans leurs univers. Et regarde ici ce qu'il y a. C'est quoi? Je suis vétérinaire. Vétérinaire! Et j'ai mon petit animaux ici à soigner. Tu peux faire ton petit shampoingage. Voilà, tu choisis tous tes produits, etc. C'est top. Tu peux trim. Tu peux faire des piqûres. Nice. Marie-Claude, tu as faim?
Parce que j'ai des sushis prévus. C'est un sushi 41. C'est Marie-Jou. Et là, tu mets ton petit truc là. Un ruisseau. Et vrai, tu révines en Fanta. Avec ton petit saumon, Gabzi. C'est génial. C'est top, franchement, c'est top. Ah, la taille. Gâte, veille à faire. À la taille, on a encore plus de sushi, fille. Non. Oh my god. Depuis tout à l'heure, tu sais, toi et moi, on est en train de dire la même chose. De retourner en enfance, retourner en enfance. Au fait, ici, c'est pour les enfants, c'est pas, ah, pour... Oui, c'est vrai. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, en fait, ok. Mais quand tu viens en tant que parent, c'est top. Tu viens à travers ton enfant. Ouais. Tu enjoy en même temps. Ah, le petit côté bricolage. Ouais, ça, Timéo aurait adoré. Timéo, je sais que tu regardes là en ce moment parce que tout le temps tu regardes pareil, tu aimes pareil et tu as intérêt d'aimer pareil. Et... Est-ce qu'il paraît donne beaucoup cadeaux? Oui, bien sûr. C'est moi le cadeau. Ah, ok, oh là là. Regarde mon petit cœur, regarde. Regarde le petit casque en dessous avec le petit masque. Où ça? c'est génial. Alors Christophe, pose-moi une question, il m'a dit, il a entendu voilà, quelque chose. Il y a le décaire en fait ici qui est top, c'est à l'heure ici. Je vous donne un exemple, hein. C'est une bagatelle. Vous avez envie de cinéma en couple, ou vous allez dîner, déjeuner, faire un tour shopping, etc. Vous venez quitter vos enfants ici, ouais. Vous filmez. On va filmer Chalem. Vous venez quitter vos enfants ici, ils vont avoir un super good time avec d'autres enfants et puis vous passez les récupérer juste après. Oh nice! Ouais, ça c'est le best. Et des fois c'est vrai qu'en tant que parent, tu as envie d'une coupure pour pouvoir faire un petit shopping tranquille, pouvoir aller déjeuner tranquillement, etc. Et les emmener ici, ben, on est tous gagnants. Tu vois? Ils sont gagnants, on est gagnants, tout le monde est happy. Et c'est seul. Quand tu sais, quand j'entends les parents dire ce genre de truc-là, je comprends pas, mais c'est seulement les parents qui vont comprendre. C'est seulement les parents qui vont comprendre que des fois tu as besoin d'une petite pause, mais là c'est. Mais tu les laisses dans un univers féerique, quoi, un paradis pour les enfants. Je me mets à la place des enfants. Au fait, maman, tu as des enfants très désordé, très. Non. Pas désordé, mais un petit peu mal élevé. S'il y a quelque chose en particulier qui va dire « Je veux ça, maman, je veux ramener ça. » Je veux ramener ça à la maison. Oui, exactement. S'il y a justement quelque chose qu'un enfant aime, est-ce qu'il peut... C'est ça le truc top ici avec Doodland, c'est que mettons-les nous jouer avec un petit cuisinière ou un petit légume ou quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez ici à l'intérieur du Kids Club, ben vous retrouvez tout à la boutique au bas. Donc il peut acheter, ou ça vous donne un hint en fait, ben, quoi prendre pour l'anniversaire ou des choses comme ça. Donc ça c'est top, c'est franchement idéal. Vraiment, vraiment 100% je crois, comme si pour Doodland, on a adoré. Ouais. Et je me mets à la place des parents, je suis content d'être le parent, je me mets à la place d'être l'enfant, je suis content d'être un enfant et venir ici. Que demander le plus, voilà. Let's see, food! Mangue, c'est pour Chalem. Mixberry, c'est pour moi le meilleur choix. Mojito pour Maniche. Wow. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Viens plus près, viens que je te montre le bonheur. Viens que je te montre le bonheur, Mixberries. Je suis sûre que le mien va être meilleur que le tien. C'est pas une compétition, mais c'est juste quand j'étais en train de choisir un petit peu plus tôt, on m'a dit que c'était le best-seller. Donc, à la lila. Mais c'est marrant. Et je comprends pourquoi c'est le Mixberry est le meilleur choix. Parce que c'est excellent. Comment, Marie, bon. Tu peux pas être prêt là? Et je te jure que le mien. Un petit peu mal à l'aise. Allez, manger. Là. Ok. Mais c'est pas fait pour manger. Arrête-toi. Si on dirait un gâteau au chocolat glacé, pour vous dire à quel point c'est concentré en chocolat. Ok. Marre bon, il est crémeux. C'est bon pour toi. Qui te prend pas un apple ou bien mango? Mango. Tu ne prends pas un apple pour toi, c'est Valentin aujourd'hui.
Cheers. Cheers. Cheers à vous aussi, vous autres. Mm-hmm. Belle journée. Ice citron. Laisse pas goûter ça un coup, non. Et ouais, vraiment, ça sourit. J'aime bien ce goût de citron là, bien prononcé. Mais c'est hyper bon. Hyper désaltérant. Mais tu fais bien bien, c'est bien, c'est la correcte. Merci Bistro Café. Et merci à tout le monde pour tenir aujourd'hui. Ouais. Merci pour cette belle journée. Petit détour revient prochainement sur One TV. New Jersey. À la semaine prochaine. Ciao. Bon, bisous.